Vous sortez, vous venez vous-même écouter le vrai clash de compresseur et Ndolo Moulema. Ça se passe mais désormais sur WhatsApp. Jusqu'à ce que compresseur a transféré les ouais du gars de Ndolo Moulema et ses conversations avec les go. Jusqu'à ce que pour Ndolo Moulema elle-même, voilà donc ce qui a énervé Ndolo Moulema jusqu'à ce que Ndolo Moulema a décidé de porter plainte à compresseur. Compresseur dit que si c'est que tu me portes plainte, n'oublie pas que toi aussi, tes choses, tout ce que tu m'as insulté sur les réseaux sociaux, tout ça, même comme tu as supprimé, j'ai enregistré. Pourquoi? Parce que n'oublie pas, ce n'est pas forcément la personne qui porte plainte qui arrive. Venez vous écouter le vrai socon. Ce n'est pas les choses qu'on raconte là-bas, à Dama. En tout cas, écoutons. Voici donc, j'avais dit à Ndolo Moulema que elle et moi, on va se clasher. Mais sur WhatsApp. J'avais dit qu'on doit clasher sur WhatsApp et que personne n'amène ça sur les réseaux. Elle a perdu son téléphone. Que j'ai volé le téléphone. Dolo, c'est moi qui vais te dire que l'école est bien. C'est moi qui vais te dire donc que l'école est vraiment bien. Maman, tu peux apporter plainte à quelqu'un. Tu dis que tu ne la connais pas. Tu dis qu'on a volé ton téléphone. Hein? Voilà, il y a là où tu fais une grosse faute. Elle dit que elle a perdu son téléphone, non. Hier, donc, comme j'ai vu encore une vidéo où elle m'a insulté, j'ai dit d'accord, j'ai parlé avec toi ici sur WhatsApp. Comme j'ai vu qu'elle a fait une live, elle m'a insulté, je suis parti dans inbox sur son téléphone. Je lui envoie la vidéo de son gars. Puisqu'elle a dit que mon gars me trompe, mon gars, je suis assise à côté de lui, il envoie les messages à son ex. J'ai dit ok, tu veux jouer à ça avec moi. Je suis donc parti. J'ai donc voulu lui montrer que c'est son gars qui la trompe pendant qu'elle est au salon. Il est dans la salle de bain en train d'envoyer. Voici ce que j'ai pas d'abord. Je l'envoie d'abord la vidéo. Et puis j'ai dit ça. Avant vous. Elle répond. Erika, fais-moi confiance, Gossa. Je suis mamie. Tu n'es qu'au début. Erika, envoie même ça au pape. Hein? Envoie ça au pape. Tu n'es rien. Je vais te pousser. Tu n'as encore rien fait. Tu vas comment te pousser, non? Trois jours posés sur toi. Trois jours posés sur moi. Envoie même encore même. Partage même ça dans les inbox, maman. Mets-toi à l'aise, ma chérie. Mets-toi à l'aise. Je me mets à l'aise. Erika, tu vas work pour moi, Gossa. Tu vas work pour moi. J'ai travaillé pour toi, non? Maintenant, tu vas work pour moi. Il fallait que tu te pousses à bout, non? Voilà que tu m'envoies maintenant, non? Rien vu. Erika, t'es lessivé pendant trois jours. Continue à envoyer, Gossa. Tu n'as encore rien fait. Erika, toi et moi, une place. Il n'envoie à personne, rien qu'à toi-même. Il envoie au pape que c'est le pape qui m'a provoqué. C'est toi qui me provoques. C'est le pape qui a insulté mon gars. C'est toi. C'est à toi que j'envoie. Donc, il a insulté mon gars. Il te montre donc que malgré que tu as insulté mon gars, voilà ce qu'il t'a envoyé de ton gars. Mais maman, c'est ça qui va faire que mes deux immeubles, je vais pas finir mes deux immeubles. Pape. Personne ne va bloquer personne. Tu es d'accord, non? Personne ne va bloquer personne. Toi et moi, on va s'éclairer sur une place. Et c'est interdit de pleurer. On ne mêle pas les gars. Si tu ne vends pas deux places, dès que tu traites mon gars, je traite ton gars avec toi. Deux places. Je te montre que ton gars ne t'aime pas. Oui, je te montre ça. Je te lance un grand défi que ton gars ne t'aime pas. Et c'est parti, toi et moi, là. Le gars autour, il n'a rien fait. Qui me trompe, qui envoie les messages à qui il veut, c'est, ça ne te concerne en rien. J'ai respecté ton gars jusqu'à preuve du contraire. Tu es parti sur les réseaux, insulter le gars autour. Insulter sans qu'il ne t'ait rien fait. Dis qu'il s'en dirait, ferme la porte. Bon, maintenant, alors, toi et moi, on déclare, on s'appelle ma perpétue. D'accord? Je t'appelle Vicky, non? Restons un peu dans le coche même. On coche dans la politesse, dans l'élégance. Tu vois, tu es un gars de Sawa, non, mon frère? Tu es la femme de Sawa? Coche, hein? C'est moi qui dois coche comme une papille. Ne fais pas comme si tu es trop étonné. Vas-y, Nayo. Ne m'appelle pas Ngossa. Je m'appelle Maléba Perpétue. Je m'appelle pas Ngossa. Je vais te donner encore l'éducation, mon frère. Oh, toi aussi, ma fille. Je t'envoie un cœur. Tu as vu ça? C'est normal, tu vois. Gossa, envoie le visage. Envoie. Soit disant l'image avec la tête, maman. Envoie. Tu as dit que c'est une place, non? Et là, bah, ça y est, elle est partie pour te plaire. Tu es sûr que je n'ai rien sur toi? C'est ça le problème. Je dis que parfois, l'école est bien. Gossa, l'école est bien. L'histoire d'école. L'école est bien. L'école est bien. Tu demandes une pétapologie, tu n'as pas de parole. Toi, tu me dis que je n'ai rien sur toi. Alors qu'on a quand même calmé chaque temps que non. On t'a calmé, mais tu as le côté plus. Tu ne sais même pas lire. Non, c'est même pas la peine. Voilà, tu es conscient que c'est pas lire. Tu peux me dépasser en question. Agent, c'est normal, tu vends le pinot, je ne vends pas le pinot, ma chérie. Je suis une mendiante. Tu as oublié. Tu as oublié comment je suis une mendiante, maman. Si tu me donnes pas de manger, quoi. Maman, mon gars, au moins, c'est que quand il fait deux jours, il me tourne, mes fesses sont bien serrées. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui entre dedans. Il peut me reprocher toutes les qualités. Mais il ne peut pas me reprocher qu'il me partage avec les clients. Mon gars, il me partage pas avec les clients, maman. Il me tourne une place. Et je suis sûr de moi jusqu'à. On met tous les quartiers de Paris, je gagne. Sur ça là. On met tous les paris, je gagne. Il sait que si ce n'est pas lui qui me tourne là, les laisse là, c'est lock. Mais toi, alors, maman, au pays, là-bas, là, j'ai appris que maman, il y a un gars qui t'a. Qui tue ça? Hein, maman, Bobby, apparemment, tu as fini avec Bobby. Hé, hey, ma fille, quand tu m'as caché les choses, je ne savais pas que tu sortais avec Bobby. Hé! Hey! Non, ça y est, quand tu ça y est. Donc, tu as tout mal avec Bobby. Hé! Hey! Pourquoi il t'envoie ton téléphone, mon frère? Tu m'as donné ça parce que tu étais fan, non? Comment? Tu donnes le truc à une de tes stars, tu dis que tu te donnes encore comment? Tu as acheté le téléphone à mon beau-fils m'a offert. Pourquoi tu vas encore te donner, mon frère? Est-ce qu'on a ce niveau-là?
Bon, renvoie-moi les dos que tu avais à Choco. Compte tous les dos que tu as à Choco dans la vie. Même si c'est combien, envoie-moi ça aussi. Mbap. Je te donne un téléphone. Laisse tranquille. Oublie que tu m'avais donné un téléphone. Et ça, c'est le salaire que tu as donné à ta star. Hein? Tu as donné le téléphone à ta star. Et ça reste comme ça. D'accord? Vous avez ri. Les messages que m'a laissé hier, vous avez ri. On voit bien qui a le meilleur gars et qui n'a pas le meilleur gars. Qui est le gars qui trompe et qui ne trompe pas. Il parlait de ça devant Thierry, que tu vends le piment. Maman, tu as de me descendre. Tu es venu dans la maison de Thierry ici là. Lui ne savait pas ce qui s'est passé là-bas. Il ne savait pas que tu vendais le pépé là-bas, maman. Tu es venu vendre le pépé dans sa maison. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas ton gars parce que j'ai encore du respect pour lui. Je t'ai envoyé seulement parce que tu as dit que mon gars est assis avec moi. Il me trompe au point où il envoie les messages aux femmes devant moi. Que tu as accès à son téléphone, moi je n'ai pas accès au téléphone de mon gars. J'ai dit alors que entre mon gars et ton gars, regarde entrée de jeu. Bam, je t'ai donné un petit cadeau. Je me dis merci, tu m'as insulté que pic. Voilà pour les injures les filles instruites. Les filles qui étaient à l'école. Écoute ton langage. Depuis qu'on parlait là, tu m'as entendu sortir un mot ordurier de ma bouche, maman, ma fille. Oh, Vicky de Vicky, mon bébé. Tout, je t'envoie ça, maman. Donne-moi quelque chose en retour, je t'envoie. Tu sais que toi et moi, c'est une histoire de. On a un contrat, toi et moi, on se clash ici, on ne va pas dehors. Donc, on disant quoi, le linge sale, c'est grave en famille. Donc, lavons ça ici, à deux. Ne va pas, donc, ma chérie, mon bébé, ne va pas parler ça ici. Atomise-moi ici, je t'atomise ici. Un jar, un tour. Et pourquoi moi, je te laisse beaucoup de messages, toi, tu es un peu, c'est quoi, tu es avec les clients. Tu es où, tu es chez la matière là-bas, ou bien tu es chez toi. Tu vois, où là? Ça, tu le vois de quel côté? Bon, maintenant, ici, c'est encore moi. Vicky, 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 calme-toi. C'est deux places. Ils sont nos gars en dehors de tout ça. Tu vois un peu, non? Laissons nos gars, laissons nos gars. C'est toi qui as commencé à amener les gars dans cette histoire. Laissons nos gars, parlons de place. Appelle-moi, ou moi je t'appelle Vicky. Appelle-moi Père Petit. Ou alors appelle-moi. Vraiment, tu fais vraiment rien, Ngosa. Tu fais vraiment rien. Tu avais les... Donc c'est ta tactique maintenant là. N'oublie pas que j'ai fait l'école. Hein. Toi, tu n'as pas fait l'école. L'histoire de l'école. Toi, tu as fait l'école de Soumangué. Moi, j'ai fait le vrai école. Ok? Donc ta tactique que tu veux faire, là, ça ne prend pas. Vas-y, il faut écrire. J'ai écrit. Il faut envoyer les voices. Les voices. Ngosa. Je vais t'apprendre que non seulement tu es mon aîné, mais moi je vais t'apprendre que je suis plus intelligente que toi. Ton petit gérard, je ne suis pas dedans. Et comme je t'ai dit, je te réponds quand moi je veux. Je dis que je te réponds quand moi je veux. Tes petites réponses là, tes petites choses que tu veux qu'elle réponde là, tes petits pièges là. Ngosa, je gérerai ta page. Je gérerai ta page, n'oublie jamais. Je gérerai ta page. Oh Vicky, t'es dit que je m'appelle plus Ngosa. Voilà, tu as vu maintenant, tu parles calmement. Tu as boyé tout à l'heure là. C'est comment? Je sais que tu es parti dans les ténèbres, mais cause quand même, parlons. On a pu causer. Moi, je n'écris pas, tu vois. Moi, je parle comme. On sait que je ne sais pas lire ni écrire. Il n'y a pas de problème à ça. Laissons le côté là. Mais, regarde, là, je te laisse un message. Tu vas écouter calmement. Et toi aussi, tu me laisses un message que j'écoute calmement. Parce que quand tu cries, tu vois, ça me fait mal à la tête. Tu vois un peu, non? J'ai dit, regarde, va regarder tous les messages que j'ai ce soir. Que je t'ai laissé ce soir. Je n'ai pas insulté ton gars. Je t'ai juste donné un avant-goût. Hein? Bon, si tu as quelque chose sur moi, tu me donnes. Hein? Moi, je te donne aussi là, le visage de ton gars. Tu vois, non? Parce que là, je te mène quand même 1-0. Hein? Non, vrai, vrai. Mine de rien, quand même, il te mène 1-0. Non, vrai, non, sois honnête. Il te mène 1-0. On est d'accord, non? Tu as insulté mon gars, moi, je n'ai pas insulté ton gars. Je t'ai envoyé un avant-goût. Il a envoyé la vidéo, son gars. Tu as fait la vraie école, pas le vrai école. Tu as fait la vraie école, tu vois. C'est ce que tu voulais dire, ça? C'est ça, c'est ce que tu voulais dire. Le vrai école ou la vraie école? Bon, c'est pas grave, c'est compliqué, mais ce que tu voulais dire, hein, mon bébé. Je suis en train d'écouter. En fait, je suis en train de répondre au fur et à mesure que j'écoute tes messages. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ta voix posée comme ça, là. Tu vois un peu, non? Oh, mon enfant! Première fille de maman Pépé. C'est ça que tu te mets bleu. On te faisait gérer la page. Tu venais te plaindre tout le temps que je n'ai pas l'intégralité. Parce que c'est comme si il y avait une puissance. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça qu'on t'a pas donné tous les accès. Parce que si tu avais tous les accès de ma page, maman, c'est qu'à Rondayo. Hé, mon enfant. Toi, tu fais comme ça que tu me calculais. Hé, ma fille. En tout cas, tu m'envoies quelque chose, je t'envoie aussi, non, maman. Tu as le visage, je t'envoie le visage. Parce qu'elle dit qu'elle a des choses. Pardon, va à l'école, tu apprends à lire. Là, tu vas tout le magot que ton gars faisait. Au soin. Alors, mais je demande qu'un gros ça. Vraiment, je sais pas ce que ton gars te raconte. Hein. C'est ça qu'il dit que vous deux, vous êtes bêtes. J'avais accès à tout. Sauf qu'il m'a enlevé le côté où il fallait que je regarde ton argent. Parce que tu es tellement teubeux, il bouffe ton argent à toi. C'est ce qu'il enlevait. J'avais accès. Tu sais ce qu'on appelle avec avoir accès. Tu oublies. C'est ça qu'il dit que, maman, quand tu connais même pas, non, renseigne-toi, non, ma mère. Renseigne-toi, non. Tu oublies que c'est moi qui partage ta page dans tous les directs. Comment je faisais ça? Comment c'était écrit elle compresseur? Tu faisais comment? Si ton mec te raconte pas la vérité, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, tu sais pas lire. C'est un administrateur. Pardon, va à l'école, tu apprends la vie. Là, si tu vas voir le magot que ton gars faisait. Au soin. Mais tu n'as pas compris, gros, ça. Mais tu n'as pas compris que j'étais avec toi par amour. Tu n'as pas compris que j'étais avec toi. Comment dire, je dirais pas les mauvaises intentions. Mais réfléchis un peu quand même. Pourquoi tu voulais que tu fasses du mal? Pourquoi? C'est toi qui venais m'afficher. Hein? Moi, je te parlais normalement. C'est toi qui as dégamé. Toi, tu croyais que c'est moi qui ai dégamé, mais c'est toi qui as commencé à dégamer. Et tu es parti où tu devais partir. Tu m'as affiché, non? Maintenant, tu m'as rendu maintenant ma gloire. Parce que tu ne comprends pas. J'avais accès à toute ta page, gros, ça. J'avais accès.
Je peux même rajouter les admis dedans. Si la fille avait accès à toute ma place, elle est partie avec... pas les vérités, en fait. Elle est bête. Tu peux me confronter à lui, je lui parle. Pour une fois, alors là, tu ne peux pas se confronter, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Est-ce que tu ne comprends pas, en fait? Lui, au moins, il n'a pas effacé. Voilà quelqu'un qui est à l'école. Nos conversations sont là. Et on verra les heures qu'il écrivait. Et un gosse, tu me fais pitié. Va à l'école, il te dit ça, va à l'école, sincèrement. Parce que tant que tu ne vas pas apprendre à lire, là, tu as toujours les mêmes difficultés. Ton gars va toujours baiser les gars devant toi. Écris devant toi quand il dit ça. Moi, je ne manque rien. Moi, je vais l'envoyer pour son gars. Le truc, il attend qu'elle m'envoie pour mon gars, rien. Comme il est dominé hier, il est parti pour toi. Tu as m'embrouillé déjà. Moi, je ne discute plus avec toi. Ça ne donne pas. Moi, je suis là que moi, il t'appelle Vicky. Toi, tu fais que m'appeler Ngosa. Bon, c'est bon alors. Bonne nuit. Moi, je ne discute plus avec toi. Tu fermes ça. Moi, je ne cause plus avec toi. C'est bon là. Parce qu'on a dit qu'on fait un truc. On a fait un deal. Maintenant, tu veux que m'appeler Ngosa. Ngosa, je m'appelle Ngosa. Je m'appelle Ngosa. C'est un quoi ça, non? Il faut me respecter comme il te respecte vraiment. Si tu veux qu'on continue, hein, tu m'appelles soit compresseur, c'est soit perpétue. Mais perpétue va être difficile pour toi de prononcer. Parce que toi, tu mets le là où il faut mettre la. Là où il faut mettre le. Mais dis que, et déjà que nous sommes en train de parler, toi, tu ne peux que parler de Thierry. Parlons de deux places, non, maman? Tu n'es pas une femme, tu ne peux pas m'assumer. Moi, je suis prêt avec toi. Bye. Tu veux que moi, je peux te parler, toi, tu ne peux que parler de Thierry. Tu m'as entendu parler que Eben. Tu m'as entendu parler que Eben. C'est quoi, tu veux tout marier, mon gars ou quoi? Si tu veux plus qu'on clash deux places ici, là, comme les pros, tu laisses, ça veut dire que t'es gagné. Voilà. J'écoute le dernier voice, là, si ce n'est pas bon, je ne te réponds plus. Qu'est-ce que tu me dis que tu étais avec moi par amour? Père. Maman, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais. Oh, mieux gérer, maman. Pourquoi tu veux que je parle et te passe mon gars? Voilà comment tu veux venir draguer mon gars encore devant moi. Tu as vu? Tu as vu, Vicky? Vicky, tu veux venir draguer carrément mon gars devant moi. Eh bien, dis donc, tu me dis que je te confronte à mon gars pour que tu lui dises que tu l'aimes? Ah non, madame. Je ne suis pas aussi bête que ça. Hein? Bon, va t'occuper de ton gars parce que moi, je vais m'occuper de mon gars. On continue demain ou bien? Qu'il en... Tu as ramené quoi du pays, non, maman? Tu as ramené quoi du pays? Le savon ou bien tu as ramené quoi? Dis-moi. Tu as ramené quoi du pays, maman? Tu as ramené la viande de brousse. Hein? Vicky dit qu'il va te rendre gros. Perpétue. Je vais ramener les parties politiques de ma grand-mère. Donc, je vais ramener les provisions plus différentes. Vous avez déjà posé. Vraiment rien ramené. Parce que je me suis ravitaillé quand je suis rentré la dernière fois. Là. Donc, je n'avais plus grand-chose. C'était juste les colis des gens que j'ai ramenés. Qu'est-ce que vous avez quoi? Oh, là, je retrouve ma fille. Là, ma fille parle bien maintenant. Perpétue, je n'ai rien ramené. C'est comme ça le dialogue. Ce n'est pas toujours la guerre, ma fille. La guerre, là-même, ça ne sert à rien. Tu vois, non? La guerre ne sert à rien. Tu vois comment tu parles bien maintenant, là? Alors? Ma mère effacée, tu sais que j'ai la valeur pour mon beau-fils. Là, tu voulais me couiller la tête avec mon beau-fils. Toi là, tu es sorcière. Tu voulais me couiller la tête avec mon beau-fils. Tu as raté. Elle dit que tu sais pourquoi depuis là, je n'ai pas encore framponné ton gars. N'oublie pas que Thierry, il m'appelle avec les chombas de ses copines. Les numéros de ses copines. Donc, un homme perdu. Bête. Il sait comme ça, c'est comme ça là. Il moi, je vais plutôt pitié de toi. Avec bon, le numéro d'une chomba. La vie va ainsi. Si je n'avais pas mis le cœur sur toi, il t'aurait à laver. Ma fille ne rit pas. C'est parce que Thierry m'a aimé avec un seul cœur. C'est pour ça que je ne l'ai même pas encore mise dehors. Parce que nos conversations sont là. Au moins pour lui, là, je peux montrer les écrits à des heures tardives. Et les numéros de ce chumba où il m'appelait, il me disait qu'il ne disait rien. Il nie, je sors ça comme on a dit qu'on est sur oiseau. Je nie. On a dit qu'on est sur oiseau, non, ça. Je t'ai envoyé pour ton gars. Voilà. C'est là que c'est parti. Je veux que tu t'es envoyé pour ton gars. En plus, encore, tu as demandé à la petite Canaël. Tu as demandé à la petite Canaël de me bloquer. Où elle m'a bloqué tout seul. J'ai parlé avec Canaël, c'est sans problème. À cause de c'est toi qui m'a poussé à parler de Canaël. C'est une petite fille, une très bonne petite fille. Très gentille et respectueuse. C'est ça que tu vois quand même elle. Parce que la petite là, c'est plein. C'est elle qui vient me clasher. C'est plié et les choses que vous lui faisiez. Le pourquoi elle a quitté la maison là. Tu vois que jusqu'ici là, rien que par amour pour toi, je n'ai encore rien sorti. Hein, ça. Il n'a encore rien sorti. Il n'a encore rien sorti. Quand elle est majeure. Il n'a encore rien sorti. Quand elle est majeure, va pas t'arrêter. Il va te laisser tranquille. Quand elle est majeure, vacciné. Oh, vous avez été amis. Pourquoi ça va avec ta mère? Tu n'as pas les problèmes avec mon gars. Et ça, pourquoi tu t'appuies trop sur lui? Moi, je t'ai fait le sissier en te montrant la vidéo. C'est ton gars. On ne discute même pas. Le débat n'est même plus là. Le débat n'est même plus là. Mais c'est ton gars. Si tu veux, je te montre le visage pour te rassurer. C'est ton gars. Si mon gars n'est pas sérieux, c'est que ton gars aussi n'est pas sérieux. On fait comment alors? On les jette. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand même, moi j'ai quand même la preuve. Toi, tu n'as pas de preuve que mon gars. Moi, je sais que tous les gars ne sont pas sérieux. Oui, mon gars n'est pas sérieux. J'accepte. Mais, t'as pas, maman, moi, je peux te lancer le défi. Que si il y a, par exemple, un seul truc de lui, c'est que ça avait son ex seulement. Et c'est normal. C'est normal, c'était son ex. C'était sa femme. Donc, s'il y a quelque chose, c'est les deux places. Ce n'est pas qu'il envoie à quelqu'un d'autre pendant que moi j'étais avec lui. Mais toi, depuis que tu avais mon beau-fils là, maman, j'ai au moins 10 numéros de filles. C'est dans les messages des filles que j'ai trouvé toutes ces choses-là. Hein. C'est dans les messages des échanges avec les filles. Tu as entendu le truc qui dit que comment tu me fais ça quand il fait froid comme ça là le matin? Il dit que moi, je ne te fais pas. Donc, tu la suis pas aussi. On ne dit pas que nos gars sont les saints. Mais, t'as pas là. Pour moi, je peux un peu boire le kadji. Et toi, tu peux boire le kadji pour toi. Parce que moi, je te mène quand même 1-0 parce que ma part,
Il n'y a pas son sang caleçon. Si tu veux, je peux te faire plaisir. Je te montre avec tout le visage. Si tu veux. Si tu veux. Pour son bain. Juste pour te faire plaisir. Et je t'ai dit que ça, ça va rester entre nous deux. Deux places. Si ça sort sur les réseaux, c'est que c'est toi. Parce que moi, je peux jurer sur tout ce que j'ai de plus cher. Ça ne va jamais sortir. Je ne suis pas lâche. Parce qu'elle peut t'affronter sur le. Comment s'affronte là? J'aime ça. Elle j'aime est la partie de classe. Et ça, c'est le classe de collègue là. Mais sa c'est ce que je t'envoie là. Donc si je mets tu maintenant... peux mettre ça là-bas là. Ce n'est pas mal là-bas. Hein. Elle est partie parler là-bas. Le gars, aujourd'hui, ne m'a rien fait. Moi, je fais seulement ça aussi pour te répondre comme tu es en train de blesser mon gars. Depuis 4 jours, tu m'insultes. J'ai donc dit que bon, je m'en vais t'envoyer à toi-même. Si je manque, je fais l'accident demain. C'est à toi seul que j'ai envoyé. Je n'ai jamais. Si tu dis que tu m'as connu, tu peux connaître ce que je peux faire. Je n'ai jamais envoyé ça à quelqu'un. Je connais mes droits, je connais la loi. Bon, le nombre de personnes qui t'écrit, qu'on a été amis, et Kanaël qui t'appelle et tout cela. Pourquoi Kanaël t'a bloqué? Si elle se plaignait beaucoup chez toi, et pourquoi elle t'a bloqué maintenant? Alors, mon problème est au-dedans, c'est t'a bloqué. Kanaël est grande et majeure, vaccinée. Les personnes qui t'appellent, ou te dit qu'on a été amis, malgré que les personnes t'ont appelé, depuis là, que tu es revenu du pays, tu as insulté Thierry et moi, au moins, dans 4 directs. Aujourd'hui, j'ai fait un direct, j'ai fait écouter ça. Aujourd'hui, j'ai fait écouter. Dans au moins 4 directs. Tu m'as insulté. J'étais bloqué sur Facebook parce que je n'ai plus envie de voir quand tu m'insultes. Ça peut me pousser à bout, à partir, faire ce qu'il ne fallait pas. C'est pour ça que j'ai dit que mieux, hein, je ne vois pas. Mais colle-moi toutes les étiquettes, mais ne me colle pas l'étiquette de... Tu as lancé un truc sur moi là en m'insultant. Je n'étais pas répondu. C'est aujourd'hui que j'ai dit que m'attends. Je glisse un peu vite fait sur toi. Parce que moi, je n'aime pas mêler souvent les gens qui ne font pas. Donc moi, aujourd'hui, je t'ai dit que je fais ça parce que j'en ai marre. Même si Thierry, je peux cracher sur lui, je ne peux pas permettre qu'une femme comme moi vienne manquer de respect à mon mec. Ah non, c'est que c'est incroyable, c'est pas faisable, non. Je ne cherche pas à savoir ce que vous avez eu à causer, qu'on n'avait pas causé. Tu sais ce que moi j'ai causé avec ton mec? Tu sais ce que moi j'ai déjà causé avec ton mec? Non, je n'ai pas besoin de ça. C'était juste pour te montrer, parce que tu as dit qu'il envoyait les messages avec les téléphones des femmes, et donc Thierry va être trop bête pour t'envoyer des téléphones avec le numéro des femmes, alors qu'il a son téléphone à lui. Donc tu vas voir que c'est pas logique. Il n'y a pas de c'est pas du tout logique. Hein? Et je te tiens à te rappeler que le grand-père est tiré, était polygame. Donc, il va succéder son grand-père. Donc, il est obligé d'avoir plusieurs gars. Maintenant, moi, l'accepter ou ne pas accepter. Tu vois, non? Voilà. Mais non, Vicky, comment tu peux dire que j'ai préféré écouter les followers? C'est toi qui as commencé à clasher Thierry? Tu as insulté Thierry même devant moi, non? On était comme ça en ligne. Tu as te parlé à Thierry, tu le rapproches au nez. Mais quelle est la femme qui peut accepter qu'une autre femme comme elle manque de respect à son mec? Ça n'existe pas. C'est une bouffonne comme elle là. Ça n'existe. Moi, je sais comment tu te fâchais quand tu me disais que ta mère manque de respect à Eden. Qui peut accepter que une autre femme manque de respect à ton mec? Même si ton mec est comment, tu donnes de la valeur. C'est toi la femme qui donne de la valeur à ton mec. Bien sûr. Le jour que tu arrêtes de donner de la valeur à ton mec, que tu dis que merde, c'est bon là, tu laisses tomber. Mais tu ne peux pas accepter que une femme comme toi manque de respect à ton mec. Jamais. Ça, c'est l'éducation que je vous ai toujours donnée. Je vous ai toujours donné ça. Dans un couple, rien n'a jamais été parfait. Rien n'a jamais été parfait. Mais tu as commencé à insulter Thierry sans qu'il t'ait rien fait. Il t'a répété, même par politesse, il t'a même appelé, tu l'as raccroché au nez. Tu sais comment tu m'avais blessé ce jour-là? Tu m'avais trop blessé. Le fait de le raccrocher au nez alors que lui, il se soumet en venant te parler en tant qu'un grand frère, en tant qu'un petit frère, en tant qu'un père, en tant qu'un oncle, en tant que tout. Mais tu l'as manqué de respect. Voilà. Et moi, je n'avais jamais appelé Eben. J'ai toujours respecté Eben. Jusqu'à maintenant, je respecte Eben. Je respecte Eben. Si moi, je me permets d'envoyer une vidéo d'Eben chez toi comme ça, c'est parce que tu continues à manquer de respect à Thierry, malgré que même si on ne se parle pas, tu continues à manquer de respect à Thierry. On dit, tu touches mon mec. Ça veut dire que c'est moi que tu tousses. Tu insultes Thierry, c'est moi que tu humilies. Tu le sais. Tu le sais que c'est comme ça qu'une femme doit être loyale avec son homme. Kanaël m'a bloqué justement parce que je me suis dit qu'elle doit suivre mes directs ou bien que quand tu lui envoyais mes directs. Parce que je parlais d'elle et je ne l'ai pas insulté. Mais comme elle a parlé, Kanaël est majeure. Elle peut te porter plainte aussi. C'est de ça que je dis. Je ne dis pas qu'elle m'a bloqué parce qu'elle me disait des choses. Je dis bien qu'elle me disait. Ce n'est pas que ça, c'est pas un débat. C'est une petite fille qui se plaignait énormément. Demande à Valérie. Valérie, moi, on l'a consolée. Elle parlait même encore à Chine. Elle parle encore à Vachille en ce moment-là aussi. Aïe, maman. C'est mieux comme tu calmes là, comme tu es en train de calmer là. Oui, mieux, on s'éclaira d'ici, on se dit ce qu'on a à se dire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, si je vois ma bouche là, le dehors là, ça va pas sentir bon. Ça va vraiment pas sentir bon. Tu dis que je n'ai rien sur toi là. Compresseur. Ne dis pas que je n'ai rien sur toi. Hein. Et comme il te redit encore, j'ai l'impression qu'elle te dit que c'est moi qui ai géré ta parole. Tu ne peux pas comprendre le message n'entre pas dans ta tête. Ça n'entre pas. Tu as quelque chose sur moi. Tout le magou que ton gars faisait là, tu ne peux pas voir tout ça là. Tout ça, j'ai fermé la bouche par amour pour toi. C'est que ton gars faisait derrière ton dos. J'ai fermé la bouche par amour pour toi. Il m'a dit Binga. Toi, moi, on n'a aucun problème. Mais c'est avec lui mon problème. C'est aucun problème. Mais tu peux toujours m'insulter. Quand moi, j'ai le problème, jamais elle vient s'asseoir comme ça pour arranger le problème là. C'est où je l'en veux. C'est où je l'en veux. Ou c'est toi qui es comme ça là, ou c'est lui qui a un problème. Elle en veut à mon gars parce que. Kanaël fait ce qu'elle veut quand elle veut. Moi, j'ai jamais demandé à Kanaël de bloquer. Elle m'a juste posé la question de savoir. Tu as les problèmes avec Tata Vicky? J'ai dit que. Laisse. Voilà la réponse que j'ai donnée à Kanaël. Parce que c'est toujours plus à la légère. Il suit tout sur YouTube. Il regarde les vidéos sur YouTube. Donc, du coup, elle a dû voir où tu as nous atomisé. Parce que jusqu'à preuve de contexte, tu es la seule qui m'a atomisé. Moi, je t'ai pas atomisé. Hein. Donc, c'est sûr qu'elle a vu ça là-bas. C'est comme moi, j'ai aimé avec ton fils. C'est comme moi, celui-là, vouloir arranger nos problèmes.
Lui au moins, s'il a voulu arranger le problème, Thierry a seulement appelé ton fils pour dire que non, il faut que les deux filles arrêtent. On en a marre, c'est monté, c'est descendu. Mais moi, j'aurais voulu qu'il m'appelle comme ton fils t'a appelé. Il t'a appelé, ça tu l'as rapproché. C'est comme j'ai encore dit là, les dégâts qu'il faisait derrière toi. Son problème, c'est avec mon gars. Par amour pour toi, je répète encore, tu peux lui faire écouter ses voix-là. C'est pas mon gars. Jamais, parce que je n'ai pas gâté copine que quand son gars pas fait les coloris, je viens tout raconter à ma copine. Genre pour gâter leur amitié. Tu aimes ce gars. Et vous savez, comme je dis là, non, moi, une personne comme ça là, tu dis que tu aimes une femme, tu fais des conneries dehors. Donc, le jour que tu as fait ton deal là, tu pourrais que tu m'as pas atomisé. Lui, je disais que j'étais avec quelqu'un chez toi. Juste à mais j'ai, comment dire, elle vient te parler comme de famille. Ça ne te dit rien. C'est une petite fille qui me hait. Quand elle dit aïe, c'est pour me voir même où mon poison passe, elle va me dire qu'elle va laisser que j'aille prendre le poison là. Comme je dis à quelqu'un. Mais je savais pas qu'elle allait jusqu'à sur Facebook. Depuis que toi et moi ensemble, depuis qu'elle parlait d'elle, je n'ai jamais parlé d'elle. Si tu es honnête, tu mens. Donc, elle sort d'où? Puisqu'elle vient me parler de ma vie et toi tu prends ça, tu racontes ça sur Facebook. Ça me fait rire. Elle a quel âge? Elle n'a même pas 30 ans cette fille. Vu que tu ne peux pas dire ça de Thierry, parce que Thierry, jusqu'à preuve de contraire, Thierry n'a jamais accepté que toi et moi on en arrive là. Thierry n'a jamais accepté. Thierry a toujours refusé. C'est pour ça qu'il avait voulu parler avec toi, tu l'as raccroché. Thierry a toujours été contre. Chaque fois que j'ai dit que je lance le direct pour te clasher, lui et moi on a des problèmes. Il n'a jamais accepté. Jusqu'à maintenant. Puisque lui et Ben, ils ont parlé. Jusqu'à il est venu me gronder ici un jour, je ne vais jamais oublier ce jour-là. En me disant que Ben, c'était son beau frère, sa soeur, sortait avec son frère, ou c'est son frère qui sortait avec sa soeur. Il m'a dit que c'est son frère par alliance, un genre. J'étais très énervé. Parce qu'il a préféré vous à moi. Il a dit que non, et Ben n'a pas de problème et qu'il ne veut pas que ça arrive là. Il a refusé. Il a fait les démarches. Tu ne peux pas dire que Thierry. Tu ne peux pas dire ça. Jamais ça, je ne peux pas accepter. Thierry a fait tout ce qu'il pouvait. Il a refusé qu'on en arrive là. Il m'a dit non, arrête ça. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas clasher avec tout le monde. Clasher même avec la personne avec qui tu étais hier. Il a refusé. Donc, non. Ça là, par contre, je refuse. Quand c'est vrai, je dis que oui, c'est vrai. Quand ce n'est pas vrai, je dis que ce n'est pas vrai. Est-ce que moi, je l'envoie le visage de son gars. Voilà, donc c'est seulement ça. Je l'envoie là où la mère de l'enfant du gars. La mère de l'enfant du gars est en train de parler. La mère de l'enfant du gars, de son gars, est en train de lui faire des problèmes, la jalousie et tout ça là. Et elle m'a envoyé un message. J'arrête quoi, Douala et Ben? Non, ça c'est le message de Langala. Elle m'a envoyé le message hier qu'elle a effacé. Où elle dit? Attends, voici ce que moi je l'ai envoyé. Mademoiselle. Et non, ça, c'est son gars, pardon. Là, je l'envoie. Là, j'ai envoyé sa photo. Elle-même, là où elle est couchée, Alisson. J'ai envoyé le visage de son gars. Comme elle a dit que ce n'était pas son gars, non. Je lui ai envoyé elle-même ça. Elle-même que j'envoie le visage de son gars pendant qu'il est en train de se. Mm-hmm. Et là, je laisse un message. Tac. Continue à insulter Thierry. Continue à l'insulter. Hein. Voilà. Bon. Pour ce matin, je te laisse d'abord cette petite dose-là. Voilà. La dose de insulté. Je te dis que tu continues à insulter mon gars. Tu continues à insulter mon gars. Tu vis avec un homme dans la maison. Il séduit d'autres femmes. Il fait l'amour avec d'autres femmes en vidéo. Parce que tu vois c'est que regarde, tu es au salon. Lui, il est en train de se branler dans les toilettes là-bas. Là. Tu dis que mon gars s'assoit à côté de moi, il envoie les messages à son ex. Pour toi, c'est grave. Parce que regarde, pendant que tu es assise au salon, le gars a le dégoût de toi. Il part et maman, j'ai alors, il a une là. Hein. C'est même, elle a le cabarumpo. Elle est belle. Elle est belle. Maman, il n'a que les bombes. Il a les belles. Il n'a que les bombes. C'est la il a avec toi parce que c'est le chaos. Tu vends le piment. Heureusement que le gars au tribunal travaille déjà. Tu vends le piment. Je voulais te montrer ce manque. Quand tu insultes le gars avec quelqu'un, ton gars là, il ne t'aime pas. Tu n'es pas son goût. Il a les belles filles. Si tu me tais, je t'envoie la photo d'une de ses belles filles. Quand on dit belle fille, la beauté de ça. Non, non, le karma. Envoie-moi aussi pour mon gars comme ça là. Ou envoie-moi aussi un message que mon elle gars envoie à Inga. Elle a les choses de mon gars. Qu'elle envoie aussi. Continue à insulter, Thierry. Continue à l'insulter. Hein. Ne t'arrête pas. Insulte-le toujours. Tu insultes mon gars. Je t'envoie les photos de ton gars. Tu insultes mon gars. Je t'envoie les photos de ton gars. Ça te pionce bien. En sachant que ce n'est pas à toi qui l'envoyais tout ça. Elle a envoyé une vidéo pour te plaindre. Ne vous inquiétez pas, madame. Ne vous inquiétez pas. Elle m'appelle madame. Je ne vous connais pas. Là, vous m'harcelez. Vous m'envoyez les messages. Il n'y a pas de souci. Quand je vais revenir à 14h, ben, je vais les montrer tout ça. Vous harcèlement. J'ai déjà porté plainte. Mais on attendait tout simplement le retour, comme vous êtes en train de faire là. Tu te moques de mon handicap. Moi, je vais te porter plainte. Mon psychologue va donner un mot. Tu t'attaques à qui? À Maléba. Tu oublies que les problèmes dorment chez moi. Ça se lève le matin, ça passe se balader, ça vient dormir. Tu t'attaques à moi, ça ne t'a rien fait. Tu m'as provoqué, tu n'avais rien fait. Tu vas assumer maintenant. Tribilan. Chomura. Pourquoi tu effaces? C'est déjà enregistré, c'est à partager. Je ne sais vraiment pas qui vous a donné mon numéro. Et là, vous allez répondre de vos sévismes. De vos sévismes. D'accord, madame. Parce que moi, je vais faire écouter tout ça à la police. Et vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est que le harcèlement. D'accord, madame. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas ce numéro. N'oubliez pas. Allez dire à part des favoris que j'ai fait. J'ai ramené mon diplôme. Ça, là, ça tape le probatoire. Ça tape le bac. Ça tape même le diplôme de docteur, là. Ça, ce que j'ai là. C'est le meilleur diplôme au monde. Donc, j'ai passé mon diplôme. Je vous laisse, non? En fait, là-bas, s'il veut faire des problèmes, on fait des problèmes. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mais il n'y a rien. S'il veut, si on sort même un message que mon gars a envoyé ça à son ex là, parce que il n'a pas. Moi, j'ai envoyé des 100 caressons à elle-même de son gars. Vous voyez, vous mourrez là. J'ai dit qu'elle veut de l'AVC.
Il va donner, elle va devenir public. Bon, la famille, vous-même, vous avez compris comment le clan de compression est un peu le sur WhatsApp. Quand je regarde bien cette histoire et j'analyse bien, c'est comme si compression, en fait, ne voulait plus se donner en spectacle avec Ndolo Mulema. Pourquoi? Parce que elle voit en fait les choses qu'ils ont partagées ensemble. Quand vous écoutez compression dans les voix, dans les échanges, c'est que ce qui l'énerve plus, c'est que Ndolo Mulema a tellement manqué le respect à son gars et compression n'accepte pas. C'est par rapport à ça qu'elle a proposé dans Ndolo Mulema. Si c'est qu'il y a encore quelque chose, mieux il gère ça en aparté. Et quand je regardais bien leurs histoires, là, ça pouvait même arriver jusqu'à ce que les filles pouvaient réellement se réconcilier. Mais ce qui pousse encore, qui énerve encore plus compressor, c'est pourquoi? Parce que elle a dit à Ndolo Mulema que si c'est que Ndolo Mulema veut lui parler, comme mieux maintenant, il gère ça sur WhatsApp. Compressor donc n'a pas aimé le fait que apparemment les choses qu'ils ont causées sur WhatsApp, les mal et transférer ça à Nancy. Et comme donc compressor donc a vu donc bon. Comme Ndolo Mulema a transféré à Nancy, ça signifie qu'elle-même, Ndolo Mulema, elle ne veut pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entendus que ils vont, ça va caler entre eux sur WhatsApp. Donc, voilà donc ce qui est énervé, compressor et compressor. Donc, bon, comme c'est ainsi, mieux moi-même, avant que tu commences ce que tu es en train de dire, mieux moi-même, non. Je viens déjà vers ici. Donc, vous voyez qu'on m'a essayé de mettre les échanges en direct. Quand la famille, vous nous allez écouter comme moi, ce qui s'est dit là-bas. Mais moi, je vois juste que compressor avait les intentions que elle et Ndolo Mulema, ils pouvaient se réconcilier, oui. Mais malheureusement, chose qui n'a pas été le cas. En tout cas, merci encore. À bientôt pour le prochain.